Et bienvenue à tous sur la chaîne du Neurotra Gaming, ici Mocha, de retour sur Uncharted, premier du nom, sur PS3. Et donc, ben voilà, on reprend là où je m'étais arrêté. Après cette cinématique dont je ne me souviens même plus trop les tenants et les aboutissants, mais ça me reviendra hein, au fur et à mesure. C'est bien ce que je me disais. Tiens, Je vais voilà. quand même essayer d'entamer la discussion, mais apparemment. Sur lui. Pas la coutume ici, pas les habitudes. Qu'est-ce qu'il peut faire, le bordel? Il a aucune chance. La confusion commence déjà. Descendez-le! Du siècle. Oh bordel, me fait chier. Je sens que l'armure monte. Charger, c'est compliqué. C'est chaud, je sais plus de balle. Parce que bon, c'est de l'avoir avec ça. Mais il s'était tout seul ou quoi? Ah ouais, il s'est suicidé le pauvre, il en avait marre. Qu'est-ce qu'il avait comme arme ce crap, tu vois? Un recharge, ça me revient, c'est bon. Là, c'est activé évidemment, mais je regarde avant quand même, avant de faire une gaffe, d'aller trop vite. Il avait un lance-grenade, c'est bien ça. Et du coup, c'est contre mon AK. La cache est qu'elle est là. Je vais garder le lance-grenade pour l'instant, c'est jamais ce qui va arriver. J'essaie de... A mon avis, il n'y a pas beaucoup de munitions, j'ai pas vu, mais bon, on a 3, voilà, pour ça. Je vais voir si je peux m'en servir tout de suite et récupérer mon AK. À moins qu'il y ait une cinématique talent, c'est que je ne puisse plus revenir en arrière. J'y ai pensé, mais. Pas de bateau, bon. Nate. On dirait vraiment qu'on a loupé le coche. Non, le voilà, de l'autre côté du port. Allez! Eh, tu sais quoi? Pourquoi j'attendrai pas ici que tu. Que tu reviennes me chercher? Ok, qu'est-ce que tu mijotes? Mais rien! Je veux juste, tu vois, rester là et filmer un peu. Je ferai gaffe. Bon, très bien. Mais promets-moi que tu seras sage. Dans tous les sens du terme. On va se débrouiller avec ça, comme je disais. Comme arme, en fait. Voilà, petit fusil, lance-grenade et des grenades. Bon. Ça pourrait quand même tenir. Allez, quelques instants, quoi. Ouais. Je peux tirer sur ça. Oh là là, quel génie! Ok, bon. À côté, bon. C'est pas le meilleur cutter du monde. Il est par là. Non. Mais qui c'est qui me tire dessus encore, bordel? Je crois qu'il vaut mieux courir quand c'est comme ça, je pense.
c'était pas ça. Pourchasse-le. Qui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a fait péter un truc à la gueule? Quoi? J'ai rien vu, moi, en tout cas. Non! Il y a un bateau loin là-haut, mais bon, pas ça. Ah, s'ils sont là. Chier avec ton lance-grenade. L2 indice. Oui, bah en face, bah oui, alors. Ah, faut que je tire pour faire tomber les trucs. Ok, super. Franchement, c'est pas. Dans Tomb Raider 2013 avec les grappins, c'est un peu mieux amené. Et même dans Underworld, de la même période, hein, 2007-2008, c'est quand même un peu mieux aussi. Hein. Tirer comme ça au pif. Sur un cadenas 50 mètres pour faire tomber une porte. Bon, après, chipote là. Mais bon, il faut faire la comparaison. Hein. C'est qui ça encore? Attends voir, c'est pas Eddie ça? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir qui c'est qui était dedans moi. Ah, Naka. Du coup, je vite fait me débarrasser de ça là. Sans que je le perde. J'ai plus de balles, bordel. Oh non. Ah, je voulais ramasser l'arme, bordel. Je pensais qu'il allait faire une roulade. Il se colle au mur et tout. Mais non, il s'est baissé comme un con. Essayons de s'en servir un peu mieux. Alors, en fait, ça tire en ligne droite, d'accord. Voilà. Sélectionne ça. Ah, c'est non. Allez. Ok. Ouais, super. Merde. Oh non. J'ai bloqué dessus. Oh non.
Oh non. Ne laisse pas s'échapper. Oh. Ok. Je te vois. Ok. C'est pas comme dans Gear of War. Pas tant que ça. C'est pas le Unreal Engine, je pense que c'est un moteur propre. Parce qu'à cette époque-là, le Unreal Engine avait un défaut. Hein. Je l'ai gardé pendant longtemps d'ailleurs. Où les corps, quand ils étaient avec du ragdoll, tout ça, avec de la physique, on marchait dessus dans Demon's Souls ou encore même dans Gear of War. Par exemple, des fois ils volaient dans tous les sens. C'est où la route? Ah, il faut rester à pied. Un peu tapoter. Ok. C'est vrai. Chargez tout ça sur le bateau. Hey. Bougez-vous! Allez, allez! Qu'est-ce que tu fais là? Il faut vraiment que tu vois ça. Là, c'est pas vraiment le bon moment. Non, Nate! Mais qu'est-ce que t'as? Il faut vraiment que tu vois ça. Quoi? Oubliez pas ce qu'il y a sur le quai. Et... Salut. Il est vivant. Maniez-vous. Je sais pas, Nate. Mais bon... Tu lui fais vraiment confiance? C'est pas comme s'il braquait un flingue sur lui. Oui, je sais. Pourquoi qu'on traîne par ici? C'est bizarre. Mais non. Sully a des défauts, mais... C'est pas un traître. Où est-ce qu'ils sont partis? Vers le nord. Oui, vers les montagnes. Ok. Ça doit être le monastère. Allons-y. Et si on découvre qu'ils bossent pour eux?
Soit on le sauve, soit on lui casse la gueule. Je vais lui casser la gueule de toute façon. Bon. Twist au niveau du scénario. Mon bon copain, Sully, n'est pas forcément l'être qu'il croyait. T'arrives à t'habituer à ça? Non. Il n'y a rien en fait ici. J'avais vu qu'il y avait un petit coin, mais je pensais qu'il y avait une petite pièce. Terre, oui. Ah, dégage, tu me gênes, ma belle. Laisse le mec, les vrais hommes, avec le problème. Avec une mitraillette qui tire des fléchettes en mousse. You. Les voilà. Alors, on discute à coups d'Akan. C'est bien connu. Ça, c'est vrai que ça se passe quand t'es un vrai mec. Voilà, ça sert pas à grand chose quoi en fait, c'est ça que je veux dire, voilà, évidemment. Un bug dans le décor, voilà. Bah tiens, la munition, on va s'en priver. Voilà, il va y avoir des ennemis, je le sens. Qu'est-ce qu'il va nous suivre? Il sera à tomber. Ah, je sens qu'il va se passer un truc là. Ouais, ouais, c'est obligé. c'est trop prévisible. Tu vois ces traces? Apparemment, quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Ouh. Fais attention. Certaines de ces planches sont carrément pourries. Voilà. Comme dans le film avec ce Sylvester Stallone là. Que c'est dans la montagne. Il faut que tu la lâches. Mais merde. Les anciens ont rôle à ref. Ah, mais là, ça finit bien. Fais chier. Okay. Tout va bien. Ça va. Plus de caméra, ça t'apprendra. Je pouvais pas courir. Je peux courir dans tous les sens, on va courir. On va faire du footing, que ça. Comme dans tous les jeux. On marche que dans la vraie vie. Un petit trésor. Est-ce qu'elle est dans le mur? Elle est où là? Ça a payé quoi? Ah, c'est moi qui joue là. J'ai vu qu'il allait y avoir une cinématique, vu le plan et tout. Ouais, on finit par venir. Ouais, là, on peut plonger dans le vide. Ouais, non. Je crois que j'ai compris. Ah, mode sérieux, là. Et là. Allez. Bon, je pense que le secret, ça veut garder, mais bon. Regardons. Ça ne brille plus. C'est bon. C'est quoi ces conneries là? Ah, c'est plutôt par là, ouais. Ah, par là, tout simplement, je l'avais pas vu. Existe.
The Last of Us. Tiens, bâtard! Tiens, personne, mec. Avec ce crochet dans le menton, là. Ça y est. Tu vas dormir pendant 2 semaines. Mais laisse-moi passer. J'ai vu un petit truc qui brille aussi, là, ça. Tout à l'heure, c'était ça, ok. Ah, un petit trophée, je sors 13 ans. Avec plaisir. Hop là. Tue-le. Je savais. Prévisible, les gars. Trop calme. Il est où? Il a obtenu un trophée 58 micro 9 mm. Avec le usine. Cette rivière devrait nous mener au monastère. Encore une phase de jet ski, bordel. Je crois que je vais galérer encore. Bon, vas-y. Et voilà. Alors, par là ou par là? Pas mal à contre-courant. Du coup, on a pas besoin d'aller vite, mais c'est galère à conduire quand même. Ah, c'est même par là, c'est des tons explosifs. Je sais pas ce qu'il y avait de l'autre côté, hein. Oh là là. Bon. Dangereux cette rivière, bordel. Comme dans un jeu vidéo, tous les tonneaux explosifs ils pètent comme ça. Par contre, je sais pas si c'est possible, mais bon, pourquoi pas. Je préfère cette phase là que celle de d'avant. Voilà. Voilà, bon. Alors, je recommence pas tout au début. Il a de la patate le machin quand même. Oh.
Wave Race, quoi. Il est où ? Des tonneaux qui pètent tout seul, je sais pas. Ah. Ouais, mais là, faut pas. Oh, comme ça. Oh la vache. C'est long, hein. C'était marrant au début. On dirait qu'on lui sort du sable. C'est que c'est de la mousse. Une sorte d'écume ou je sais pas. Le remue de la cascade. Bon, je crois que c'est bon. Non ? Pour l'instant, en tout cas. Merci. Apparemment, ça continue. Voilà. Chapitre 13, j'imagine. Qu'y a-t-il ? Ça va passer ça à tous les coups. Pas vrai. Le voilà. Ça existe aussi. Cinématique. Mon scénario, je sais pas. Ralenti, tu veux ? Un des hommes d'Eddie pourrait nous attendre. Allez, ouais. Ces clowns ont disparu depuis un bout de temps maintenant. Oh ! Oh mon Dieu! C'est dégoûtant!
Oh, si seulement j'avais ma caméra. Ça veut dire quoi? Que les Espagnols ont posé des pièges sur le... Far Cry 3. C'est pas l'œuvre des Espagnols. Regarde les pics de plus près. Bon sang, mais je rêve. Ça vient de notre avion. Attends, ça n'a aucun sens ce truc. Pourquoi est-ce que quelqu'un poserait des pièges alors que ses propres hommes sont sur l'île? Justement. Quelque chose est venu depuis la pause. Quelque chose ou quelqu'un? Attends, tu penses Chut. Que... T'entends ça? J'entends quoi? Rien. Absolument rien. On nous observe. Observe? Bon, tu sais quoi, c'est sûrement rien. Faut juste partir avant de tomber sur ce qui a réduit ce type en charpie. Ok. Paranoïa. Y'a pas de loot à récupérer. C'est quand même pas mal, c'est quand même joli. Oh. Je prends un jeu lancement quoi. Laisse planquer. Ils ont des viseurs infrarouges. Mais moi j'ai une AK alors. C'est bon. Non mais tout à l'heure je lui ai mis deux balles et il est mort et là. Attention. T'es mort. C'est Terminator ou quoi? Oh, enfin. Un chargeur entier quoi. Roman et Navarro doivent pas être bien loin. Leurs chiens de garde sont à l'entrée. C'est pas les mêmes balles? Ouais, bon bah attends, on va prendre celle qu'on a le plus. Et je pense que c'est ce que je vais récupérer sur eux. Quoique l'un des Artigueules à la place de ça. On va regarder le Uzi pour l'instant. Téléportation. Je t'écoute. Je veux que la bibliothèque soit sécurisée. Les laissez pas approcher Sullivan. Bien reçu. Ils ont laissé le vieux dans la partie est du complexe. Je me demande bien ce qu'il fout avec eux. Ce salopard a aucune parole. Oh, il est là, là. Oh, on va le perdre. Il est là-bas. Prends l'œil. D'accord. Rappelez-le. Touché. Franchement, qu'il perd des munitions. T'as une balle ici. T'avais quoi, toi? Vertigueule, combien de balles? Ah, ça pourrait être utile. C'est bête. Ah. On va dire que c'est toujours ça. Sentiment. Je sais, moi aussi. Ah oui. Sullivan et on se tire d'ici. Tu parles. Bah oui, tu parles que ça me donne sentiment. Après avoir croisé un mort et des agents, ou je ne sais quoi. Quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est tout. Oh, ils sont trop loin, putain. J'ai plus de munitions, donc pas me permettre de tirer au pif comme ça de loin. Oh non. Je me suis trop rapproché, mais normal, ils avancent pas, c'est con. J'ai vraiment pas ce qu'il faut en arme. Mais prenons quand même ça.
maintenant! Il est là! Ah, pour l'amour de Dieu! À l'abri! Il est touché! Ah merde! Loup tout! Alors ça fait quoi? Ah, le ragdoll, il a bugué là. Ah, je me suis fait avoir. Bon, j'y retourne. Putain, c'est que j'ai pas assez de munitions. Je peux jamais le viser. J'allais voir là aussi, faut pas que j'oublie. Maintenant! Tue-le! Arrêtez-le! Merde, des fois tu crois que tu l'as tué, mais en fait non. C'est con. C'est le dernier, et puis de musique. Tue-le! Pas là lui-même, tue-le. C'est tout seul, mec. Plateforme. Bah. Ah, peut-être que c'est ça en fait. Ouais. Je pensais qu'il fallait ouvrir l'espèce de fenêtre en haut. Thank you.
Descendre. Ça. L'archéologie, ça me connaît. La préservation. Quoi qu'il est pas archéologue, c'est un chasseur de trésors, au moins, c'est clair. Là, je vais tenir ça pendant que tu tiens la porte ouverte. Oh. Là, c'est une porte qui forme un. Au moins une tonne, même bien plus. Je vais la tenir comme ça. T'es prêt? Bon, tu peux lâcher. Doucement. Oh, j'ai dit doucement. C'est Hulk aussi, hein. Captain. C'est un petit peu tout à la fois. Ah, voilà. Oh mais merde. J'ai plus de balles. C'est sûrement la bibliothèque. Par là. Bon, inutile de passer par la grande porte. Cherchons un autre moyen d'entrer. Ouvrons les yeux. Pas bien compliqué. En Philippines. Oh mec, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais je te jure, cette fille, elle pouvait aussi bien te planter un poignard dans le dos. C'était un petit bout de femme, hein. Elle était grande comme rien du tout. On l'appelait la toupie, ouais, à cause de... Tu vas la fermer, ça fait 10 fois que tu nous répètes la même chose. Eh ouais, c'est vrai. T'as raison, ma mémoire est plus qu'elle était. Pourquoi ça te prend autant de temps d'abord? T'as peut-être pas remarqué, mais tous ces bouquins, ils sont à moitié pourris. Et écrits en espagnol.
Ouais, bah mine-toi. Hein. Le chef, il a pas que ça à faire. Hé hey, là-haut. Oh merde. Oh pas. Non. Les voilà. Non, c'est compliqué. Ça te sauvera pas. Ouais, super. J'espère que ça vaut le coup. Oh, ça m'a pas tué. Il était temps que tu te pointes. Eh ben, t'as l'air plutôt en forme pour un mort. Alors t'as quand même ramené la fille, hein? La fille? Eh, si elle avait pas été là, personne serait venu te récupérer, tu sais. Si on peut parler de sauvetage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois reconnaître, Sully, que tout ça, c'est un peu louche. Ouais. Tu vois, toi, tu rencardes ces gars. Et vous réapparaissez miraculeusement vivant. Non mais attendez un peu, là. Roman a mis un contrat sur ma tête. J'étais bien obligé de gagner du temps. D'accord, c'était une erreur. J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre. Sully, on sera en train de rentrer à la maison avec le trésor si, pour une fois, t'avais su tenir ta langue. Et toi, t'aurais pu regarder mon pouls avant de t'enfuir et de me laisser pour mort. Bah, ça a plus d'importance maintenant. Très bien. Alors comment ça se fait que vous soyez sain et sauf, hein? Je vous jure que vous allez pas le croire. Hein? Pas possible. Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi. Ouais. Je croyais que ce genre de truc arrivait que dans les films. Ouais, bah ça me fait encore un de ces mal, je vous raconte. Je me doute. Bref, une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort, j'ai convaincu Roman qu'il trouverait jamais le trésor sans mon aide. Alors depuis, j'ai essayé de les mener sur une fausse piste, tout ça en attendant que vous veniez. Alors où est-ce qu'ils sont, là? Eh ben, ils suivent la fausse piste que je leur ai préparée, de l'autre côté du monastère, bien à l'écart. Regarde. Drake avait tout prévu. Tu vois le symbole que les Espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète? Le trésor est caché juste là, dans ce monastère. Trouvons le symbole... Et on trouve la salle. Ouais. On a absolument tout ce qu'il faut, juste ici. Tous les indices qui nous mèneront droit au trésor. On va y arriver, petit. Ok. Les gars, vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière, hein? N'y pense même pas à sceller. Elle a un méchant crochet droit. Je vais essayer de m'en rappeler. Ben voilà, c'était bien qui finit bien. Cette salle recèle bien des secrets, j'en suis sûr. Et donc, voilà, je me doutais moi aussi tout à l'heure, hein, quand je commençais à descendre, j'ai vu qu'il y avait de quoi s'agripper ici ou là, la bibliothèque, tous les coups, il y a des trucs à faire. Mais ce sera pour la prochaine fois, justement. On va s'arrêter là. Petite conclusion sur le sort de Sully et pourquoi il en était arrivé là. Et donc on verra ça la prochaine. Sur ce, je vous dis à plus. Prenez soin de vous. Et bon jeu à tous.